Salut les filles, je suis Yael Zarka, prof de danse orientale, et je vous ai préparé un mini lexique des mouvements principaux de danse orientale. Je vous montre quelques-uns des mouvements spécifiques de cette danse. Et on commence par les mouvements ondulés et circulaires. Donc, tout d'abord, le 8 arrière du bassin, le 8 intérieur du bassin, le 8 extérieur du bassin, qu'on appelle aussi Maya, le cercle des fesses, qu'on appelle aussi Omi, le grand cercle du bassin, l'ondulation chameau, l'ondulation inversée, chameau à l'envers, les cercles de la poitrine et les rotations des épaules vers l'arrière. On enchaîne avec les mouvements saccadés, c'est-à-dire les accents. Par exemple, les accents côté-côté du bassin, les accents vers le bas, que j'appelle aussi ange baladie, les accents out et in, avec le ventre, les accents Zoher Zaki, du nom d'une célèbre danseuse égyptienne, les accents de la poitrine vers le bas, les accents des épaules, et je termine avec le twist du bassin. On passe à notre dernière catégorie, les mouvements tremblés. Un petit peu moins de choix, mais un très bel effet. Les tremblements du bassin, les vibrations du bassin, les chouchous du bassin et les tremblements des épaules. Et j'espère que mon mini lexique vous a plu et je vous retrouve dans une autre vidéo pour apprendre à faire tous ces mouvements.